Chers auditeurs, chères auditrices, à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène dentaire, célébrée le 20 mars de chaque année, les élèves de la première année primaire, groupe 1 et 2, sont présents sur ce plateau de la radio scolaire Chekouri pour sensibiliser les enfants et les inciter à prendre soin davantage de leurs dents. Se brosser les dents, c'est important et il faut le faire tous les jours et de préférence 3 fois par jour. Le matin après le petit déjeuner, le soir avant de se coucher, mais aussi après le déjeuner si possible. Le brossage s'effectue avec un dentifrice fluoré adapté à l'âge de l'enfant, mais avant l'âge de 2 ans, un brossage à l'eau suffit. Il faut penser à son geste à brosser à dents tous les 3 à 4 mois. On peut utiliser soit une brosse à dents manuelle souple à petite tête, soit une brosse à dents électrique à partir de 4 ou 5 ans. Le brossage doit se faire du rouge vers le blanc, autrement dit de la gencive vers les dents, en haut et en bas, devant et derrière, sans oublier le dessus des dents et les dents du fond. Pour éviter les caries, il est important de limiter les sucreries et les sodas, de préférence l'eau aux boissons sucrées et de ne pas grignoter après le brossage du soir. Lorsque l'on porte un appareil dentaire, se brosser les dents est encore plus important. On utilise alors des brosses à dents spéciales. Enfin, la consultation chez les dentistes doit se faire au moins une fois par an dès l'âge de 3 ans afin de vérifier si les dents sont en bonne santé. Qu'est-ce qu'une dent ? La dent est ce petit machin blanc aigu qu'on a dans la bouche et qui sert à manger. Chez les humains, ces dents sont assez petites. Les animaux ont des dents beaucoup plus grosses, pointues et puissantes. Quels sont les éléments qui composent une dent ? La dent est constituée de différentes couches, les mailles et la partie blanche qui recouvre la dent. En dessous, il y a la dentine et la pulpe qui protège le nerf. Les douleurs de dents sont bien souvent liées au nerf qui est très sensible. À quel âge poussent les dents ?
Les dents primaires ou dents de lait sortent à partir de 6 mois en commençant par les incisives, puis les canines et enfin la molaire pour avoir une transition complète vers 33 mois. Combien avons-nous de dents? Le nombre de dents varie avec l'âge. Les enfants n'ont que 20 dents, alors que les adultes en ont jusqu'à 32. Nous avons 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires. Les enfants, eux, n'ont que 8 molaires primaires. À quoi servent les dents? Il y a 4 types de dents. Incisives servent à couper et trancher les aliments. Canines servent à déchirer la nourriture. Prémolaires servent à mastiquer les aliments, remoindre les molaires. Molaires servent à écraser la nourriture. Et quand on mange, il se passe quoi? Prenons l'exemple d'un bout de pain. Les incisives coupent un morceau, puis les canines déchirent la croûte et la mie. Et enfin, les molaires écrasent et broient. Ça part ensuite dans le tube digestif. Le saviez-vous? Des dents qui volent de l'or, les Mayas décoraient leurs dents avec des pierres précieuses. Ils perçaient la dent sur le devant et fixaient des pierres avec une colle à base de cerf. Les archéologues ont retrouvé des dents vieilles de 2500 ans incrustées de pierres précieuses. C'est l'heure de se brosser les dents, les enfants. Pourquoi est-ce qu'on se brosse les dents, maman? On se brosse les dents pour enlever la plaque et garder nos dents toutes propres. C'est quoi la plaque, maman? La plaque est une couche qui colle aux dents. Et ce n'est pas bien de laisser accumuler une plaque sur les dents, car elle les abîme. Maman, j'ai perdu une dent de devant. Pourtant, je brosse mes dents chaque jour. Va-t-elle repousser, maman? Bien sûr qu'il va repousser, fils-dent. C'est une dent de lait et c'est tout à fait normal qu'il tombe à ton âge. Allez, les enfants, dépêchez-vous. Sinon, on va rater le rendez-vous chez le dentiste. D'accord, maman. La brosse à dents a 600 ans. La brosse à dents a été inventée en Chine au 15e siècle. Ce n'est qu'au 16e siècle qu'elle arrive en Europe. À l'origine, il était composé d'un manche en bois ou en ivoire et de poils de sanglier. Dans les années 1940, les poils en nylon se généralise, c'est moins cher et plus rapide à produire. Ne dites pas dentition, mais denture. On utilise à tort les termes dentition pour parler des dents. Or, l'ensemble des dents s'appelle la denture. En fait, la dentition est le mécanisme biologique responsable de la pousse des dents. Chez l'homme, il y a donc 3 dentitions. La pousse des dents délai entre 6 mois et 6 ans. La pousse des dents définitive entre 6 ans et 13 ans. Et enfin, la pousse des dernières molaires ou dents de sagesse vers 20 ans. Du chocolat pour combattre les caries. Bonne nouvelle, le chocolat est bon pour les dents. En effet, le cacao est composé de fluor et de phosphate, ce qui protège les dents. Mais attention, il faut choisir du chocolat bien noir et ça ne dispense pas du brossage des dents. Les poules ont eu des dents. Vous connaissez l'expression « quand les poules auront des dents » Eh bien, figurez-vous, ils en ont eu. Les ancêtres des poules ont perdu leurs dents au cours de l'évolution des espèces
puisqu'elle n'en avait plus besoin. Cependant, le gène des dents existe encore dans l'ADN des poules vivant dans nos fermes. Elle pourrait donc très en avoir à nouveau. Bonjour docteur. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Mon fils a un mal aigu à sa langue depuis hier. Laisse-moi voir ce qu'il y a dans ton fils. Ah, une partie de l'émail de la dent qui te fait mal est détruite. Vous allez l'arracher docteur? Non, pas encore. On se l'a sauvé par un plombage. Bon, ouvre bien la bouche. Aïe, cela me fait trop mal. J'ai fini. Tu as toujours mal, fiston? Non, ça va. Merci, docteur. Je vous en prie, madame, à prendre soin de tes dents, fiston. ما هي الأسنان؟ الأسنان هي أجزاء صغيرة في الحجم تكون على شكل تراكيب شبع عظيمة توجد في الفم ويمتلكها بالإضافة إلى الإنسان عدد كبير من الحيوانات وتعد الأسنان من الأجزاء المهمة جدا فهي تعطي للإنسان الشكل والمظهر جميل والابتسامة جذابة كما أن لها دورا في تقطيع الطعام ومضغه مما يسهل عملية الهضم وتساعد أيضا على نطق الحروف بشكل سليم كما أنها تظهر جمال ابتسامة إن الإنسان يولد دون أسنان وتبدأ بالظهور بعد عمر معين وتنقسم أسنان إلى قسمين أسنان لبنية وأسنان دائمة تتوزع الأسنان في الفك العلوي والفك السفلي وتكون على عدة أشكال وأنواع وهي القواطع والأنياب والضواحك والأضراس تصاب أسنان عادة بالتسوس مما يؤدي للشعور بآلام كثيرة وقد تصاب أيضا بالتساقط ما هي أسباب تسوس الأسنان؟ من أسباب تسوس الأسنان تناول الحلويات والمشروبات الغازية من تنظيف الأسنان جفاف الفم من اللعاب فاللعاب يلعب دورا مهما في تنظيف الفم من بقايا الطعام العالقة بالأسنان كيف أحافظ على أسناني؟ يجب الاهتمام بنظافة الأسنان والعناية بها تحت إشراف طبيب الأسنان اختيار فرشاة أسنان جيدة زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم على الأقل مرة في السنة لابد أن نغير فرشاة الأسنان باستمرار ويمكن استخدام السواك لتنظيف الأسنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل صلاة يلزم أن نقوم بتناول طعام ذو درجة حرارة مناسبة لابد أن نقوم باختيار معجون للأسنان يحتوي على فلورايد الامتناع عن استخدام الأدوات الخشبية والمعدنية لإخراج بقايا الطعام من الأسنان يجب تناول منتجات الألبان والتي تتمتع في الحليب والزبادي لأنها تموج الجسم بالكالسيوم مما يحافظ على صحة الأسنان وقوتها الاهتمام بنظافة الأسنان يومياً حيث يجب غسلها على الأقل مرتين يومياً لتجنب تراكم بقايا الطعام والحلوى التي تؤدي للتسوس يجب تناول الفواكه والخضر لأنها تنظف الأسنان بشكل طبيعي بسبب وجود الألياف فيها إذن
فالأسنان لؤلؤة غالية في ثنايا الفم، لذا يجب أن نحافظ عليها. أسناننا لآلئ فلنحافظ عليها. بكل أمان وحنان تحفظ أسنان.